nous sommes de retour. En parlant de nous, je parle de moi à la troisième personne. Non, c'est bon, nous sommes bien de retour. Je ne suis pas seule, tout va bien. Je vais être rejoint par le jury. Camille de Cabane Création, plein de designers forts. Et le magnifique jury. Là aussi, il faut l'applaudir bien fort quand même. Hein. Allez, là. Tu veux écouter mon micro? Ok, il y a un bol de micro. Bon, ouais. Toujours. Donc, juste avant, nous avions Susania et Aris qui faisaient partie du jury. J'ai perdu mes mots, ça y est. J'en fais. C'est parce qu'elle est magnifique. Nous avons également Maxime, mais qui n'est pas encore arrivé, je ne sais pas s'il va arriver ou non, mais en tout cas on peut le remercier également. Je ne sais pas où est-ce. Aujourd'hui on a passé notre temps à chercher des gens. Où est Charlie, mais en grande taille. Avant de procéder à la remise des prix, je voulais qu'on fasse, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Camille, qui a tout organisé de A à Z. Je sais, moi, personnellement, je sais que c'est compliqué d'organiser un concours de cosplay, c'est beaucoup de travail en amont, sur place, mais tout c'est que Camille, elle fait pas que ça. Elle fait 5 millions d'autres trucs sur le salon, donc merci à toi Camille, elle fait même accessoires sur mon concours. Oui, mais toi, voilà, c'est une petite tâche, Camille, donc moi, personnellement, j'aimerais te dire bah, merci pour ton travail. Bah, du coup, je vais profiter de la perche que tu me tends pour dire aux cosplayers, encore une fois, de si vous voulez venir sur un Discord que je gère, c'est la buvette qui est là-bas, que vous soyez en n'importe quelle position sur le classement, même si vous n'êtes pas sur le podium, vous avez un lot. Dans tous les cas, pour vous remercier d'avoir participé au concours de cosplay. Voilà, c'est bon. Il y avait donc 3 prix annoncés, mais il y en a en réalité 4, puisque le jury a décidé. Et je crois que Maxime vient de nous rejoindre. Tout va bien, on n'a pas encore commencé la remise des prix. Donc il y a 4 prix en tout, le top 3 et un coup de cœur. On va annoncer respectivement la 3e place, la 2e place, le coup de cœur et la 1ère place. Est-ce que c'est d'accord, Camille, pour toi? La 1ère place, toujours à la fin, oui. Toujours à la fin, bien évidemment. Tenir les gens en haleine, c'est génial. Est-ce que mon jury veut annoncer le 3e, enfin la 3e personne qui remporte donc 100 euros de cash prize? Le 3e prix revient à Harley Quinn du film Suicide Squad. Suicide Squad de Harley Quinn. C'est Arashi Cosplay qui nous rejoint sur scène et qui remporte donc la 3e place de ce concours ainsi que 100 euros de cash prize. On peut l'applaudir encore une fois s'il vous plaît. On continue avec la 2e place. Bonsoir tout le monde. Alors pour la 2e place, c'est Callisto qui a été désigné. C'était Callisto de Memento Mori Atsu Cosplay. Bon, pas plus dire plus fort que ça, s'il vous plaît, je sais qu'on est dimanche, il est tard. Et qui remporte donc 200 euros de cash prize. Oui, que je vous donnerai. Enfin, là, maintenant, je peux vous dire de manière imaginaire, mais le gros chèque a eu un problème d'impression. Mais le principal, c'est l'enveloppe qui contient les sous. Hein. Alors, ensuite, le premier. Ah, bah non, c'est pas le premier. Non, c'est le coup de cœur. Du coup, c'est toi qui nous l'annonce, Pauline. Allez, comme ça, on laisse le premier prix. Ah, Maxime. Non, t'as pas envie? C'est Maxime. Ah, Maxime, elle nous sera pas dans le coup. J'entends un Maxime. Maxime. On laisse le premier prix à Maxime, vous? Bien sûr. Alors, vas-y, Camille, tu peux nous avancer le coup de cœur de ce concours. Alors, le coup de cœur, on l'a mis en coup de cœur parce que son travail est très très propre. Mais il manquait 2-3 petites choses, notamment dans la presta, il y a eu quelques petits couacs à droite à gauche. Mais elle est très très prometteuse parce que, oui, du coup, elle est solo et c'est une fille. Femme, pardon, excusez-moi. Qui vient de l'animé Kobayashi Maid Dragon. Kobayashi Maid Dragon. Donc c'est le personnage de Elma. Elma, tout à fait. Donc il gagne le coup de cœur du jury. Un beau travail
sur la couture notamment, et sur la création du costume, que j'ai beaucoup apprécié. Et nous allons annoncer maintenant le grand gagnant de ce concours de costume. Nous allons pouvoir embêter Maxime. Alors, je demande un petit peu de bruit quand même de la part du public, parce que c'est le suspense à savoir qui va remporter les 300 euros. Et donc le vainqueur du concours cosplay est Ekanto. C'est le groupe Ekanto qui remporte la première place de ce concours. On peut les applaudir encore une fois, mais c'est le grand gagnant. C'est un jour qui remporte les grandes gagnantes, tout à fait, de ce concours. Magnifique concours, très très beau concours, très coloré. Bah, vous pouvez vous avancer, vous pouvez faire des photos. Allez-y, allez-y, on va aller. Je vous invite à venir sur scène, à venir faire des photos. Avec le jury, bien entendu, parce que c'est grâce à eux. Vous avez des élèves, vous avez rien quand même. Un grand merci encore une fois au jury, qui a eu la lourde tâche de choisir ce podium. C'est votre moment, faites vos poses, faites vos beaux, faites vos adorables créatures. Allez-y. On peut applaudir encore une fois l'ensemble de nos participants et nos jurys. On peut les applaudir tous encore une fois pour l'équipe de la musique. Dylan aussi, notre animateur, qui a pas mal bossé. L'équipe technique aussi, qui les pauvres sont fatigués. Toute la sécurité aussi, l'équipe de la sécurité qui nous a aidés jusqu'au bout du cosplay. Alors Dylan me disait tout à l'heure, alors déjà première chose, je vous libère, chère Julie, je vous libère, chers participants du concours. Dylan me disait qu'il y avait encore plein de cadeaux à gagner. Et on se disait que c'était dommage de ne pas les offrir. Et pour l'un, il va vous proposer un petit jeu avant le karaoké géant pour pouvoir vous faire gagner ces cadeaux.